Mais tout d'abord, le Premier ministre Julien Nkogué-Bécalé a eu une séance de travail ce mardi avec le ministre de la fonction publique et celui de l'économie. Il était question de mettre sur pied les recommandations issues du forum de la fonction publique tenu les 8, 9 et 10 janvier dernier. Lardi Nguemamba et Arnaud Mengue pour les détails. Faire des propositions concrètes et mettre en place un chronogramme afin de mettre en œuvre les 140 recommandations issues du Forum de la fonction publique. Tel est l'objectif de la réunion tenue à la primature entre le Premier ministre et les ministres de la fonction publique et celui de l'économie. Ces quatre comités seront mis en place cette semaine et nous mettrons évidemment une équipe qui intégrera à la fois l'administration, les agents, les responsables d'administration et les partenaires sociaux. Nous poursuivons le dialogue avec nos partenaires dans le cadre de cette vaste réforme de la fonction publique. 11 jours après la fin des travaux, le gouvernement veut aller vite, mais de manière méthodique, afin de ramener la quiétude et apaiser le climat social. Nous sommes au temps des actes, comme l'a rappelé le Premier ministre, nous ne sommes plus au temps des annonces. Nous mettrons en place ces annonces mais immédiatement avec l'action, conformément à ce que le chef d'État nous a demandé. Donc, ça veut dire que dans le cadre d'un partenariat constructif, dans le cadre d'un climat social constructif et participatif, nous arriverons à trouver les solutions au mot X qui mine notre administration afin qu'on puisse faire ce premier nettoyage et voir le futur avec une réforme ambitieuse qui nous permettra d'éviter les écueils. La réunion, les comités ont été mis en place pour traiter efficacement les préoccupations des agents.